Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler VIP 19, très précisément. Doit-il arriver? Quand doit-il arriver? Et s'il n'arrive pas, que va faire Lilith? On va parler également énormissime battle avec une vidéo made in rock assez étonnante et peut-être un petit peu de foutage de gueule. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord? C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis. Vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les leaks, bref, tout est sur le Discord. Et surtout, dès que les playoffs vont être terminés, vous y retrouverez tous les pronos ajustés après la vidéo. Tous les vendredis, une petite vidéo de pronostics. Et suite à ça, le samedi, on ajuste pour se blinder et vider le store de cette fameuse Ligue Osiris. Alors la Ligue, ça avance plutôt pas mal, comme vous le savez, on est impatient. Hein. On attend évidemment de pouvoir plier ce store. Au niveau du calendrier, il nous reste encore quelques semaines, quelques épreuves. Et il n'y a pas vraiment de surprise à ce stade. Hein. On est toujours sur les favoris ultra en tête. Après, on a des petites situations tendues. Les 93T et les SW1, point d'exclamation, hein, qui vont s'affronter pour la première place. Bon, 1,9 milliard. De l'autre côté, 3,5 milliards. Bon, les 93T, hein, ils devraient leur rouler dessus. Bref, on suit et je suis ça de près, les amis. Je vais vous faire des pronostics. Normalement, on devrait être bien très rapidement. Parlons vidéo et vidéo de battle, puisque Lilith nous a sorti une nouvelle petite vidéo. Il n'arrête pas en ce moment. Il nous arrose de vidéos. Alors pourquoi? J'en sais rien, mais ils en sortent beaucoup plus qu'avant. Enfin, si, je sais, hein, c'est clairement pour des intérêts de remonter dans les classements, dans les visibilités, hein, améliorer tout ça. Et regardez, ils nous ont sorti une vidéo. On va la voir deux fois d'ailleurs. Une vidéo qui nous montre, selon eux, les meilleures vidéos soumises par la communauté, hein, de bataille épique. Et évidemment, on montre un premier choc, hein, sur le 1093. Le 1093 face au 60 GT. Et franchement, je ne sais pas si vous allez avoir la même impression que moi. Je vais vous laisser d'abord voir une première fois. On en reparlera juste après sur la seconde vision. Là encore une fois, c'est une vidéo des 93P face au 60 GT. Encore une fois, on va en voir plusieurs massives batailles. Une vidéo de Shinji sur les GV77. D'ailleurs, je ne savais pas. Mais est-ce que c'est le Shinji ou qui fait des vidéos YouTube? Parce que je ne savais pas qu'il était chez les GV77. Vidéo très courte, hein, celle-là. Apocalypse Gaming, pareil, hein, une petite zone de fight en accéléré. Hein, vous remarquerez, évidemment, les mecs ne partent pas aussi vite. Hein, on est sur le KVK du 24, 29 et du 18,75. Hein, on est là sur le 3241. Alors oui, Lilith a décidé de prendre un tout petit, un plus petit KVK. Parce que là, les combats, il n'y a pas énormément de troupes. Et ça a un rapport, hein, avec le sujet que je veux qu'on évoque par la suite. Regardez au niveau des troupes. Là, on est sur du petit KVK 3241. C'est pour ça que vous voyez des Richards et des Alexandres. Et on revient sur le 2313, hein, Ayaz. Et là, encore une fois, hein, c'est plus petit, les combats. C'est moins dense, forcément. Est-ce que c'est des combats épiques pour les joueurs qui les vivent? Oui, par rapport à ce qui se fait ou ce qu'on a vu en début de vidéo. Ben, beaucoup moins, tout à coup, c'est quand même très surprenant. Mais là, cette fois, les duos sont tout de même plus solides, hein, avec du HQ, avec du Nevsky. On revient sur les 75 DC du 29-75 avec Max. Pareil, là, vous le voyez, il n'y a pas une foule de dingue, hein, sur cette zone de combat. Mais Lilith a inclus des KVK de différents niveaux. Ouais, là, on est sur du petit KVK également, mais nous, on est sur des royaumes qui sont beaucoup plus jeunes. Hein. On arrive à la fin de cette vidéo avec Karma. On revient sur les 93T.
Et là, regardez, les blocs sont énormes. Le blanc est pris entre deux en pince là. Et en tenaille, très précisément, il se fait totalement exploser. Les 60 GT, hein, ils se font brûler, ils se font violer sur cette partie de vidéo. Et on revient donc sur le premier des 1093. Et regardez, je trouve quand même très symptomatique cette vidéo. Alors, vous certains vont dire, oui, tu cherches le mal là où il n'y en a pas. Mais regardez, il y a très peu en fait d'énormes KVK avec des énormes zones de combat. Sur ce KVK là et sur cette vidéo là, les seuls que Lilith a à nous montrer, eh ben, c'est le C2-2112, hein, c'est le 1093 face au 60 GT. C'est les seuls qu'ils vont nous montrer sur cette zone de combat. Ils n'ont rien d'autre. Les autres KVK qu'on va voir, et regardez bien, hein, les autres KVK sont vraiment des KVK petit en termes de nombre de combattants. Hein. Là, les GV77 est un KVK de zone intermédiaire. C'est beaucoup moins impressionnant, mais il y a quand même pas mal de monde sur cette zone-là. Encore une fois, ça rejoint ce que je vous dis. Hein. Là, on est sur les 24-29. Donc, GV77, 24-29, il y a des combattants. 10-93, 24-29 face au 18-75. Hein. Si on exclut ces royaumes-là, eh bien, les KVK sont bien pauvres en termes de très gros combats. Alors, est-ce que c'est dû à l'absence de joueurs et qu'il y ait moins de joueurs sur le jeu? Est-ce que c'est dû à un matchmaking totalement éclaté? Est-ce que c'est dû aux vidéos que Lilith a choisies, hein, qu'il ne monte pas forcément les plus gros combats? Mais quand on voit qu'il monte le 1093 face au 60 GT, on peut s'interroger. Moi, en tout cas, je reste perplexe. Je vous l'ai déjà dit souvent, hein, le nouveau matchmaking, quand je dis le nouveau, c'est celui qui a été fait en sous-marin il y a quelques mois déjà et ajusté avec les pools limitées à 900 joueurs, est clairement éclaté. C'est très, très défavorable pour le gameplay et pour le jeu. Certains vont dire « Oui, mais ça lag moins ». Moi, je partage pas cette opinion-là parce que si vous n'avez pas un serveur qui tourne H24, eh bien, vous y perdez tout de même. Et il y a finalement peu de très gros KVK. Et très gros, c'est pas très gros, ça veut dire avec des impériums. Ça veut dire très gros en nombre de combattants. Et au final, on se retrouve à être cristallisé au niveau toujours des mêmes serveurs. Le 24-29, les 23-77, les 60 GT, le 10-93. Après, j'en oublie certains, comme les 18-46 par exemple. Mais c'est toujours, toujours les mêmes. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. On voit, là, on revient sur le 10-93 pour avoir un gros KVK et des grosses zones de combat. Mais c'est quand même triste qu'un jeu de combat comme celui-là, qui se veut être un jeu de stratégie et qui met très en avant le combat, du moins, puisqu'on a déjà eu ce débat, hein, sur les jeux de stratégie, et bien finalement reste pauvre en méga combat, comme on peut le voir, que certains concurrents commencent à mettre en avant. Et d'ailleurs, les concurrents, on en rediscutera dans des prochaines vidéos. Les amis, je vous parlais en introduction du VIP-19 et là, vous allez le voir, on a pour la première fois une réponse claire sur l'avenir du système de VIP. C'est pas n'importe qui, c'est GM Martel qui nous la donne et c'est le support VIP-VIP, le premium des premiums, qui va nous dire très simplement, il a été contacté par un joueur pour savoir ce qu'il en était quant à l'arrivée. Le système de VIP-19, le nouveau niveau, eh bien, il dit que pour le moment, il planifie pas de VIP-19 pour le moment, mais à la place, ils vont sortir un store de points VIP où on pourra claquer les points VIP qui ne servent à rien, qui permettra donc de claquer ces extra points, et sinon que les détails sont encore en cours d'organisation et qu'ils reviendront vers nous pour nous donner toutes les informations. Le problème de ce store, franchement, de mon point de vue, déjà le VIP-19, ce serait une connerie de le sortir, et ça fera encore plus d'écart entre les baleines et les autres joueurs. Hein. Et le problème du VIP-19, il est très simple, si on sort un store comme celui-là où on peut claquer ses points, qui amasse points? Eh bien, tout simplement, les plus gros spenders du jeu, les plus grosses baleines. Donc, donner encore un store et donner des avantages
encore une fois, au plus dépensier, aux plus grosses baleines, va encore, encore et encore creuser l'écart. Que ce soit des accélérateurs qu'on leur donne, que ce soit des expansions d'armées pour créer des troupes, que ce soit des ressources, n'importe quoi. Si le ratio est mal fait entre le coût d'un point VIP, parce que un point VIP c'est une gemme, hein, rappelez-vous, 1000 gemmes, 1000 points VIP, c'est très simple. Eh bien, si le ratio est encore mal calculé par Lilith, comme c'est très souvent le cas, ça donnera encore une fois masse avantage aux mecs qui ont accumulé depuis le temps des millions. Il y en a qui ont des millions, voire des dizaines de millions. Si vous regardez le compte de Baba, par exemple, ou bien d'autres, des dizaines. Je crois qu'il a même plus de 100 millions en stock de points VIP. Eh bien, imaginez ce qu'il ferait dans un store. Il le dépouillerait littéralement. Donc attention, Lilith, qu'est-ce que vous allez faire là? Ça va être encore une fois un truc éclataxe et une méga carotte pour les middle spenders et surtout encore plus pour les free players. Les amis, attardons-nous sur les events en cours. Je vous ai dit que je vous en reparlerai, donc je vous en parle bien évidemment. Le Royaume Doré, on attendait qu'il pop justement pour faire une petite mage de ce Royaume Doré. Il y a les nouveaux commandants face à nous. Oui, il y a toujours les nouveaux commandants face à nous qui sont mis dans le Royaume Doré. Déjà, c'est une petite astuce, hein. Lorsque vous avez le choix de recruter des nouvelles troupes au niveau des huttes, eh ben, prenez les commandants qui donnent des smites de match. Vous prenez Herman, vous prenez Liu, vous prenez Gorgo. Ne faites pas l'erreur de prendre les anciens commandants. Ils sont, et les anciens binômes, ils sont bien moins performants. Moi, au niveau de la team, pour aller jusqu'au bout, pour aller au niveau 25, je vous conseille toujours la même dynamique. Déjà, vous sortez vos meilleurs binômes, hein, ou du moins ceux qui vont pouvoir faire le plus le job. Alors moi, j'ai une équipe, hein, qui est déjà dédiée pour le Royaume Doré. Vous le voyez, hein, je sors. Alors, je vais vous mettre tout, voilà, la cinquième. Je sors très simplement, hein, quelque chose qui peut encaisser. On a Scipio avec Medmed, ça va encaisser. On a Guan qui va encaisser. Et derrière, j'ai HQ et Boadice. Alors, je les mets en décalé comme ça, parce que je ne veux pas créer de troupes. Je pourrais les mettre comme ça, vous le voyez, certains font ça. Mais je ne veux pas créer de troupes qui sera vraiment tout seul. J'ai peur qu'elle se fasse déboîter rarement, mais parfois ça arrive. Donc déjà, je crée cette combinaison. Parfois, je fais une variante pour tester, je fais celle-là, je me mets en 4 sur la première ligne quand j'ai des gros bonus sur la première ligne. Donc voilà, ce qui est important déjà, c'est partir avec de l'infanterie. Si vous avez Liu, si vous avez Gorgo en smite damage, ça va faire vraiment du sale, ça va être vraiment très très sale. Si vous avez Herman également, faites comme ça. Partez sur un design comme ça, les premières lignes encaissent, les deuxièmes, eh bien, elles sont là pour le touriste, hein, pour faire du DPS, surtout. Au niveau des troupes et des cases à dévoiler, j'ai eu du mal, hein, des cases qu'on enlève la brume, hein, eh bien, je vous conseille de ne pas toutes les faire. Alors certains, j'ai déjà vu, hein, disent oui, il faut faire un max de cases pour avoir un max de bonus. Non, moi je vous conseille de faire simplement les cases utiles, sauf dans les premiers niveaux. Les premiers niveaux, essayez, ouais, j'ai déjà l'ennemi, le boss de finale, le gardien. Sur les premiers niveaux, je vous invite à faire le plus de cases possible, tout simplement, car on perd peu, vous le voyez, hein, je perds peu là-dessus, et on récupère le plus possible. Au niveau des bénédictions, encore une fois, moi je n'aime pas les bénédictions comme celle-là, qui vont par exemple là, les zones de dégâts sont pas influencées par le nombre de cibles, vos compétences uniques touchent désormais deux cibles. Celle-là, elle est pas mal, mais je préfère par exemple celle-là, Conquérant, qui permet de donner une troupe supplémentaire et je pars à 6. Alors l'avoir dès le début, c'est un gros avantage, mais le problème, c'est tant que je peux pas recruter une troupe de plus, hein, eh bien ça ne me sert à rien. C'est pour ça que je dévoile un maximum là pour essayer soit d'avoir une hutte de soins, qui pourrait être très très bénéfique, hein, pour le niveau suivant, soit pour repartir à fond, soit une hutte qui me permettrait, vous voyez, lui je pourrais le défoncer pour aller prendre ces deux là. Allez, sur la première je fais tout le monde, soit une hutte de recrutement pour justement sortir ma sixième troupe, ce que je peux pas faire pour le moment. On regarde, est-ce que, alors là franchement, si j'ai aucun soin et aucune hutte de recrutement, c'est très rare. D'habitude j'ai toujours, au moins ça annonce peut-être quelque chose de mal, une hutte, voilà, j'ai les mecs, je me casse, c'est bon. J'ai au moins une hutte de soins, c'est dur, une hutte à chaque fois, c'est-à-dire de soins sur le premier niveau. Là pareil, hein, je découvre, je ne me bats pas tout de suite, ça sert à rien. J'essaye de voir si je peux gratter du bonus, j'essaye de voir si je peux avoir très rapidement. Alors ça, eux, les gardiens d'élite, je les évite tout le temps, ils ne rapportent pas grand chose et surtout ils sont très difficiles, non, mais ils font perdre pas mal de troupes. Donc les gardiens,
vous les évitez au maximum. Ça, c'est vraiment un conseil de base. Vous gardez des enchaînements ou des skills qui permettent de les déplacer pour les esquiver, encore une fois, surtout quand il y a une tourelle. Là, quand il faut aller chercher vers les niveaux 12, 13 contre les tourelles, vous essayez de les esquiver encore plus. Ça permet vraiment de limiter la perte. Et normalement, en appliquant toute cette petite règle, vous faites juste le nombre de casques que vous voulez, que vous devez faire. Pardon, vous voyez là déjà. Typiquement, j'ai ma hutte, je vais pouvoir avoir ma troupe, c'est ce que je voulais vous montrer. Je recrute, j'ai le choix HQ, j'ai le choix Guan. Je peux avoir du soutien avec Trajan et Mulan, c'est pas mal. Mais on va prendre du HQ ou on va prendre du Trajan. J'hésite parce que le soutien de Trajan, c'est pas mal. Je vais prendre Trajan, alors que vous allez me dire, ouais, dans les commentaires, t'aurais dû prendre HQ, c'est de la balle et tout. Je vais prendre Trajan parce que Trajan Mulan, en soutien, c'est pas mal du tout. Sachant que les troupes qu'on recrute dans les huttes, hein, elles sont souvent bien fragiles, bien éclatées. Elles ont pas de stuff, hein, donc voilà. J'ai un nouveau skill, on peut prendre universel. Lorsque vous battez une troupe ennemie, soigne une partie des blessés légers. Ça aussi, c'est de la balle. Hein. C'est mieux que pour chaque troupe de première ligne, vos troupes de première ligne affichent... Non, le mieux est celui-là. On s'en fout aussi. Donc, on prend ce qui soigne. C'est ce qui permet d'aller le plus loin. Et vous le voyez. Si là, je suis dans une configuration parfaite. C'est-à-dire, j'ai la sixième troupe. J'ai déjà commencé à avoir des skills qui soignent. Il n'y a aucune chance pour que je n'aille pas au bout. Je vais aller au bout avec toutes mes troupes. Je suis clairement détente. N'hésitez pas encore une fois à essayer de découvrir peut-être un peu plus, à faire celui-là par exemple pour aller chercher cette zone-là pour avoir des huttes de soins. J'en ai pas eu une seule depuis le début. En revanche, j'ai bien de la chance. Hein. Je trouve très rapidement, hein, sans combattre, le chef gardien. Là, vous le voyez, hein, je lui mets un petit skill qui va le débuffer un petit peu. Je vais le déboîter. On est dans les premiers niveaux. C'est quand même très facile. C'est les niveaux où il faut essayer d'avoir le meilleur. Vous voyez là. Universel, vos troupes de première ligne récupèrent une portion de leurs blessés légers. Ça aussi, il faut le prendre. Et c'est là qu'on peut choisir de changer l'alignement des premières troupes pour avoir 4 lignes, 4 troupes sur la première ligne. Mais aussi, on peut choisir, par exemple, je vais me dire, je vais faire celui-là parce que ça me fait une troupe et mes troupes vont gagner plus qu'elles ne vont perdre. Vous le voyez, lui, je le mets là pour qu'il soit soigné. Et je pars comme ça et je peux me dire, bah là, j'ai récupéré 3300 en soins. C'est peut-être plus que ce que j'ai perdu, vous voyez. Et puis, bon, c'était pas le cas, mais ça pourrait être le cas parfois sur des combats qui traînent en longueur. Donc voilà pour les conseils. Là, avec la configuration des skills que j'ai eu dès le départ, à savoir 2 skills déjà de soins, plus qui soignent sans que je fasse rien, plus la 6ème troupe, c'est sûr, quand vous avez ce combo-là, vous allez gagner. En 6ème troupe, prenez, ou en troupe recrutée, prenez toujours les derniers commandants. Là, j'ai pas pris HQ, j'ai pris une troupe de soutien, mais parce qu'il n'y avait pas de commandant Smite Damage, il y aurait eu Airman, ou il y aurait eu, je ne sais pas, Gorgo, par exemple, ou Azure Panipal. Évidemment, c'est eux que j'aurais recruté. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour ces conseils sur le Royaume Doré et pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur Rock.